Konnichiwa minasan, c'est Mémoire de Légende et bienvenue dans l'épisode 1 de Shenmue. L'aventure commence. Alors nous sortons directement du dojo des Azuki et nous sommes à Yamanose très exactement. Et on va enfin essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est réellement passé ce 30 novembre 1986. Pourquoi Iwao Azuki est mort. C'est ce que nous allons savoir directement. Donc là, bah, vraiment pour regarder, on a des enfants. Hey. Et voilà. Aya, are you looking for something? Nothing really. Alors qui dit qu'en réalité, il cherche rien du tout, alors qu'en réalité il est là vraiment pour commencer la quête. Alors cet épisode aura beaucoup de cinématiques, il faut le savoir, mais on va essayer de rentrer vraiment dans le domaine de la démo. Enfin, on va essayer de revenir comme sur la démo, sur Dobuita, mais là, une petite cinématique encore une fois s'impose. Hey, Dio! Hi, Megumi. You got a kitten in there? You promise not to tell my mommy? Sure. Okay, then I'll show you. Is this your kitten? Uh-uh. But this kitty, see? She's all alone. All alone? Yep. See, the other day, when it rained, a car ran over her mommy. My big sister saw it. She said it was a big black car. A black car? Yeah, and she said it was really scary. And then me and Sis, we buried the mommy cat. And so now, I can be the kitty's mommy. But mommy says we can't keep the kitten at home. So you're going to keep her here? Yeah, everybody's helping out too. Like Kota, Yasuo, and Kaio. I see. Kitty don't look so good. Alors vous voyez vraiment, c'est ce tout petit détail qui fait que la quête va vraiment commencer, c'est ce chat. Donc vraiment c'est ce petit animal qui va faire toute la différence. Et donc du coup, alors ce que j'ai pas dit, regardez bien, ce qui est assez intéressant, c'est que même sur des petites cinématiques comme ça, on va pouvoir interagir. Non pas sur le QTE, mais vraiment sur le choix de ce qu'on va faire, même notamment sur la discussion. Donc là, regardez, on dit que le chat ne va pas bien, donc du coup, on va lui donner à manger. Et là, nous avons à gauche, on a des sardines, et puis on a à droite un petit morceau de tofu, mais là, ça ressemble plus à une biscotte. Donc on va lui donner des sardines, parce que le tofu, il ne va pas le manger, donc concrètement, donc ça sert à rien, je vous spoil légèrement un petit peu. Et regardez bien, le chat, rien que ça, il ira déjà un peu mieux. Alors quand même je rappelle quand même une petite chose, c'est que bien évidemment on joue à la version européenne, et malheureusement c'est la version européenne. Faut savoir que ce jeu n'a jamais été traduit en français, malheureusement. Donc du coup, c'est vrai que les épisodes que j'essaie de sortir assez régulièrement, ça prend un peu de temps, puisque moi, comme je vous l'avais promis, je traduis juste au-dessus en français. Bon, j'essaie d'avoir une police assez ressemblante vraiment pour faire un petit peu de classe. Donc du coup voilà, le jeu je le traduis en français pour que vous puissiez comprendre un petit peu l'histoire du jeu. Parce que c'est vrai que c'est dommage pour un jeu super bon qui n'a pas été traduit en français, mérite quand même cette petite traduction. But wait, we gotta think of a name for the kitty. Oh, well, when I think of a good one, I'll let you know. You promise? Bye-bye, Dio. Bye-bye. Voilà, et un petit peu à la fois, hop, regardez, voilà, si j'appuie sur B, non, c'est pas B, c'est Y, enfin pour moi, regardez, je vais dans le notebook, et un petit peu à la fois, les trucs vont s'ajouter, voilà, I need to visit Yamagashi-san, donc je dois aller voir Yamagashi-san, donc Yamagashi-san a été justement, a été percuté par la voiture noire, je devrais voir autour et demander si quelqu'un aurait vu une voiture noire ce jour-là. Et ce qui est plutôt cool, vraiment, voilà, chaque note est indiquée à chaque action que vous faites, donc du coup on vous mâche légèrement le travail, mais au moins ça vous dit exactement où est-ce qu'il faut aller. Et là nous allons aller d'abord à la ville d'à côté qui s'appelle Sakura Gaoka Park, enfin Sakura Gaoka comme on dit dans sa version nippon. Et
même si dans le but de la quête où il faut réellement aller retrouver l'assassin de votre père, vous allez avoir des toutes petites missions, vous allez en voir une juste après. Et puis ce qui est bien notamment avec ce shop qu'on a légèrement guéri, je crois que c'est là-bas. Oui, c'est ici. Voilà. Vous allez voir, il y a une vieille dame qui va vous demander votre aide. Regardez, celle qui est juste là avec sa petite veste violette. Excuse me. Yes. What's this nameplate say? Et donc, comme je le rappelais justement, quand on a vu ce petit chat, on va pouvoir le revoir et lui donner à manger, comme je sais pas, des sardines ou encore lui donner du lait pour qu'il aille vraiment mieux. Il est une santé un peu plus meilleure. Donc là, ce qu'on va quand même faire aussi, on va aller aider cette dame, on le fera un tout petit peu plus tard. Wait for me in that park up ahead. Voilà, il nous dit voilà, on se retrouve au parc et puis je vous donnerai le nom de la personne en question, enfin, retrouver la personne que cette dame voudrait voir. Donc là, ce que nous allons faire, c'est qu'on va aller voir ce fameux Yamagashi-san, qui aurait vu un petit peu, qui aurait vu quelques trucs. Alors, et ce Yamagashi-san, il est ici. Alors, une petite précision s'impose, on va quand même laisser faire parler Yamagashi-san. C'est que, dans la version nippone, quand vous avez vu la discussion avec Megumi, dans la version nippone, elle dit Onicha. Pourtant, Onicha, au Japon, ça signifie grand frère ou frère aîné, dans sa très bonne traduction. Et il faut savoir que, normalement, Megumi et Ryo n'ont aucun lien parenté. Enfin, ils sont ni frères ni sœurs, comme vous avez pu suivre dans le premier épisode. Mais j'ai pu voir dans les traductions qu'en fait qu'il s'agissait d'une marque d'affection et une marque de respect quelque part. Puisqu'il faut savoir qu'au Japon, les Japonais sont très à cheval sur la politesse. Et donc voilà, petite précision à ça. Donc j'ai pas voulu faire la version nippone parce que moi déjà je sais pas parler le japonais, mais du coup au moins c'est un petit truc à savoir, mais moi ça me fait toujours plaisir de vous le faire découvrir. Donc là, Yamagashi-san nous explique un petit peu qu'est-ce qui s'est réellement passé ce 30 novembre. Et en fait, de fil en aiguille, de personne en personne, vous allez comprendre un petit peu le truc en question. Donc là, on peut peut-être encore leur parler, je crois qu'il faut encore lui parler, j'ai un doute. Alors, voilà, donc là maintenant, donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller le voir, je me suis trompé, voilà. Donc là, si je vais dans les notes, normalement, je me souviens plus trop. Voilà, donc maintenant on va aller à Dobuita. Parce que même si je n'allais pas voir Yamagashi-san, que je voulais par exemple me diriger ici, là, au niveau de cette petite forêt, bah, j'aurais pas pu y aller puisqu'il faut absolument que j'aille des côtés des indices. Donc là, ce que nous allons faire, c'est que nous allons aller rechercher ce Yamamoto-san, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc là, ce qu'on peut faire, regardez bien, je vais zoomer avec le bouton L, comme je vous l'ai dit, et on peut, voilà, si je vois, hop, et je crois que c'est ça. Yamamoto. Voilà. That's it. Guess I'll go get that lady. Voilà, donc comme je vous l'avais dit, quand je zoome sur le bouton L et que je vois un objet qui pourrait interagir, on va la regarder, hop. Voilà, ça veut dire que je peux faire quelque chose dessus. Donc là, nous allons aller rechercher la vieille dame qui est sur la balançoire et on va l'amener directement chez ce Yamamoto. Ma'am, I found it. Did you? Thank you so very much. This is it. Thank you for taking the time to help me, young man. I have to go now. There are so few helpful young people these days. Donc voilà, vraiment, ce petit truc ne sert vraiment à rien, mais c'est vraiment pour vous faire profiter des cinématiques. Donc là, du coup, maintenant, on va enfin aller à Dobuita. Donc enfin, on va retrouver cette fameuse ville qu'on avait abordée dans le What's Shenmue, donc la démo dont je vous avais parlé récemment sur cette Dreamcast. D'ailleurs, cette démo, je vous le rappelle, n'est jamais sortie en Europe et encore moins aux États-Unis, mais n'avait vraiment vu le jour qu'au Japon, tout simplement parce que le jeu qui devait sortir en juin 1999 a pris beaucoup plus de temps que prévu. Donc voilà, c'était vraiment cette démo était vraiment faite pour faire encore un petit peu attendre, on va dire, les futurs fans de la saga. Allez, fous-moi le camp. Voilà. C'était vraiment pour faire patienter les futurs fans de la saga. Et vraiment, cette... voilà, regardez. Le Reggae Man.
Tom Johnson. Et vraiment, voilà, ça donnait un petit peu une idée de ce qu'allait donner Shenmue, cette petite démo en question. Ouais, mais vas-y, mais casse-toi. Moi, le truc qui m'énerve un petit peu, c'est que voilà. Regardez, je suis sûr qu'il va se barrer. Voilà. Moi, le petit détail que j'arrive pas à comprendre, c'est voilà, comment les gens, d'un coup, c'est pas de la fluidité, mais. Sur un fondu, comment les gens sur un fondu peuvent arriver. Et moi, je trouve ça assez chiant quand même. Le chemin est libre et on n'a strictement rien. Enfin, il n'y a strictement rien pour. Enfin, bon, moi, c'est un truc que je comprends pas quoi. Donc là, on va aller voir Nozomi Arazaki. Nozomi. Ryo, have things settled down? Et d'ailleurs, autre chose aussi à savoir sur les personnages, c'est que on ne vous appelle pas par votre prénom au Japon, on vous appelle par votre nom de famille. Et c'est dans le cas pour les mangas, pour les séries animées, même les séries télé, et même pour les jeux vidéo. Donc même si Nozomi Arazaki, c'est vraiment son prénom, Ryo va l'appeler Arazaki. Et pareil pour Nozomi qui vous appellera Azuki. Mais vraiment toujours avec un petit suffixe de politesse en quelque sorte. Donc là, Nozomi s'est fait renverser, enfin a été couvert de boue par cette voiture. Mais du coup, on va essayer de comprendre un petit peu à la fois qu'est-ce qui s'était réellement passé ce jour-là. Ryo, cheer up, will ya? Yeah, see ya. Et je peux même zoomer si je veux sur Nozomi, voilà. Franchement, pour vous dire à quel point les personnages modélisés de l'époque sont vraiment exceptionnels. Pour vraiment 50 ou 70 millions de dollars, pardon, je sais plus, c'est vraiment dommage et je trouve ça vraiment bête qu'un jeu comme ça a été mal vendu, mais par contre a été très très bien noté dans tous les magazines de l'époque. Je pense à Console Plus, Player One ou les Joypad. Donc là maintenant, regardez, c'est assez, franchement, je trouve ça assez troublant qu'on est à deux pas, du food truck, et Tom Johnson n'était pas présent là, d'un coup il arrive, donc là on va aller lui Tom. Parler. Hey Ryo! Tell me about those men in the black car. What? Nozomi told me you had words with the guys driving the black car. No, I don't remember. They might have been the ones who murdered my father. Your father? Please try to think. Right, man, I'll try. Those guys in the black car? What were they like? I saw a guy wearing this weird coat. What kind of coat? It was a deep green. Maybe velvet or silk. Like something Chinese. That's Lan Di. What happened? They almost hit one of my customers, so I gave them a piece of my mind. But that man, he gave me this glare. I ain't never seen such a cold stare, man. Do you remember anything else? Nope. Try asking Chinese people about Chinese. Do you know any Chinese? Sorry, man. But see that travel agency over there? They get some Chinese customers. I'll ask around for you too, man. Come by later. Sure. Donc voilà, on est enfin arrivé à Dobuita Street, pardon, on va se quitter là-dessus. Donc merci d'avoir regardé cette petite vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, ça me fera énormément plaisir, ou de laisser un petit commentaire. Je serai ravi d'y répondre et de vous donner tous mes retours. On se retrouve très rapidement pour le deuxième épisode de Shenmue à la recherche de Chinois. Sayonara Tokodachi !